Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter le travail en cercle et sa forme des cotons démaquillants. Alors là, j'ai fait deux techniques différentes. Cette technique, c'est celle où on travaille en spirale, où on suit toujours dans le même sens. Je vais te montrer dans le tuto le travail en spirale, comment commencer le cercle magique et on va travailler rien qu'avec des brides. Je te montre aussi à la fin du tuto pour refermer et rentrer les fils. Je ne sais pas si tu vois la différence, car le deuxième, j'ai fait un travail. Alors, j'ai commencé à faire mes brides dans ce sens, trois mailles en l'air, et au deuxième tour, j'ai tourné dans l'autre sens, trois mailles en l'air, et au dernier tour, j'ai tourné encore dans l'autre sens. Donc ça te donne un autre résultat, un autre rendu. Donc je ne sais pas si tu vois la différence que ça donne. Ici, on voit que les rangs sont beaucoup plus marqués qu'à celui-ci. Non, ils ne sont pas marqués. Derrière, si je tourne, pareil. Ici, on voit que les rangs sont marqués. Ça fait des cercles. Et là, non. Donc, à toi de voir, c'est la même technique. À part qu'il faut tourner pour le travail en rond, il faut tourner dans un sens et au tour d'après dans l'autre sens et ainsi de suite. Là, je vais te montrer le travail en spirale où l'on voit les tours. C'est la seule différence. Voilà, j'espère que le tuto te plaira. Bon tuto! Et moi j'ai pris de la Drop Paris, c'est du 100% coton, donc je te conseille du 100% coton. Elle se crochette en numéro 5, hop, en numéro 5, ici, et moi j'ai pris un crochet 4,5 pour que ce soit bien serré. Je te conseille aussi une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin. Donc, pour commencer le cercle, on a deux solutions. Soit on fait un cercle magique, ce qui est un peu plus compliqué pour les débutants, mais sinon, il y a la technique des mailles chaînettes où tu montes au moins 4 mailles chaînettes et tu fermes donc tes mailles chaînettes par une maille coulée et ça te fait un cercle. Là, ici, je vais te présenter pour un cercle magique. Donc, tu prends donc ton fil dans tes mains et tu viens tourner le fil autour de tes doigts en croisant sur le dessus. Tu viens donc prendre le premier fil, attraper le deuxième et passer en dessous. Ensuite, il faut bloquer. Alors, j'enlève mes doigts. Je prends le fil qui est à la pelote. Alors, surtout toujours prendre le fil à l'intérieur de la pelote, ça t'évite que ta pelote ne tourne quand tu tires le fil. Et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon cercle magique. Voilà. Et on va venir travailler à l'intérieur de ce cercle. On va travailler qu'en bride. Donc, pour commencer, on va monter
trois mailles en l'air pour former la première bride. Et 3. Si tu travailles en mailles serrées, tu ne feras qu'une maille en l'air à chaque tour, ce qui comptera pour la hauteur de la maille serrée. Si tu travailles en demi-bride, il faudra que tu montes à chaque tour 2 mailles en l'air. Pour la bride, il faut monter donc pour chaque tour 3 mailles en l'air. Et une double bride, 4 mailles en l'air. Donc on va commencer par faire 12 brides. Autour de ce cercle. Alors le fil se dédouble un petit peu, donc du coup, j'ai un petit peu de mal. Hop, je te reprends à la fin des 12 brides. Voilà, j'ai fait mes 12 brides. Donc pour savoir combien tu as fait de brides, c'est très simple, tu te repères ici. Ça fait un V, ça c'est une bride. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'en ai bien 12, puisque les 3 mailles en l'air, je ne les compte pas pour une bride. Je viens donc prendre le fil du cercle magique et je viens tirer pour refermer le centre. Je le ferme pas trop fort pour l'instant puisque je vais fermer mon cercle par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Une maille coulée. Voilà, et là je peux fermer mon cercle. Voilà. Pour le deuxième tour, on va monter donc une, deux, trois mailles en l'air. Et on va faire donc. On va commencer donc les augmentations pour élargir le cercle. Et donc là, on va faire deux brides dans la même maille. Donc dans la première, que je ne me trompe pas, ici. On fait deux brides. Au même endroit et on va faire comme ça tout le tour, deux brides dans chaque maille . Alors, tu vois bien où je pique ici, là où il y a ça forme un V, donc je pique ici et j'en fais deux brides. Allez, je finis le tour et je te reprends après.
Voilà, le deuxième tour est fini. Donc on vient fermer le tour dans la troisième maille en l'air par une maille coulée. Voilà. Et pour le troisième tour, on va monter donc encore 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire une bride dans la maille suivante. Dans la maille d'après, on va faire une augmentation. Donc, deux brides dans la même maille. Et ainsi de suite, dans la maille d'après, une bride. Dans la maille d'après, une augmentation. Donc deux brides dans la même maille. Et ainsi de suite. Une bride toute seule. Une augmentation. Comme ça, jusqu'à la fin du tour. Donc, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation, et ainsi de suite. Je te reprends à la fin du tour. Voilà, on vient de finir le troisième tour. Donc je ferme par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et donc, on pourrait s'arrêter là. Pour un coton démaquillant, je trouve que la taille est adéquate. Maintenant, si tu souhaites faire plus grand, eh bien, pour le prochain tour, il faut faire donc 3 mailles en l'air pour garder la hauteur de la bride. Dans la maille d'après, on fait une bride, dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante, une augmentation, donc deux brides dans la même maille. Et ainsi de suite, tout le long du tour, une bride toute seule, une bride toute seule, une augmentation. Et ainsi de suite. Et on va augmenter les tours à chaque fois comme ça. C'est-à-dire vous augmentez les brides toutes seules à chaque tour. Là, on vient d'en faire une et une augmentation. Le tour d'après, c'est deux brides toutes seules, une augmentation. Le tour d'après, trois brides toutes seules, une augmentation. Le rang d'après, quatre brides toutes seules, une augmentation. Et ainsi de suite, pour agrandir le cercle, jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là, puisque moi, les cotons démaquillants, pour moi, il est assez grand. Donc, pour finir le tour, on va faire... Je vais faire... Attendez. Oui, c'est ça. Je vais faire une maille en l'air, et je vais couper. Il y avait une autre façon. Je vais vous montrer l'autre façon. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une maille coulée pour terminer, on va faire une demi-bride. On fait une demi-bride dans la deuxième. Une demi-bride dans la maille d'après. Donc dans la troisième maille en l'air, on vient faire une maille serrée
une maille serrée et dans la maille d'après, on fait une maille coulée. Et là, on vient couper le fil. Assez hop, grand pour pouvoir le rentrer. Je viens tirer et on va rentrer les fils. Donc je prends mon aiguille à laine et je viens donc hop, la serrer et je viens piquer donc dans la maille d'après, ici, je viens rentrer mon fil ici à l'intérieur et je viens descendre le long de la bride voilà. Voilà. Et je viens rentrer mon fil ici. Et je continue tout le long. Je suis en fait. Hop, je suis la maille et je viens à la base des brides, je viens rentrer mon fil. Je vais faire un retour en sautant un fil et je repasse où je viens de passer au même endroit je vais encore voilà, je vais couper et on va rentrer le fil du centre. Donc c'est pareil, on vient rentrer le fil ici en suivant la base des brides et on fait le tour. On fait un tour dans un sens et après on saute ici par-dessus et on vient repasser là où on vient de rentrer le fil pour sécuriser en fait le fil.
Et on vient couper. Comme ça, ici, on peut l'accrocher. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.